C'est le vendredi de la rentrée et les professeurs sont déjà en forme. Même si les couloirs sont encore vides, il faut tout de même préparer l'année scolaire qui arrive. Et pour certains d'entre eux, comme Léa, c'est une première en tant que professeur titulaire au sein du collège de la Noue à Saint-Dizier. Premier choix important et qui aura ses conséquences pour l'année, la disposition de la salle de classe. Elle a opté pour le travail en îlot. Ça permet de développer le travail de groupe et la cohésion d'équipe. Ça permet aussi de leur montrer qu'on peut travailler différemment et aussi travailler avec des personnes avec lesquelles on ne penserait pas travailler en début d'année. Donc ça leur permet aussi de développer d'autres fonctions, que ce soit cognitives, intellectuelles, etc. C'est une autre manière de travailler que de travailler en autobus où on travaille tout seul, etc. En plus d'être nouvelle dans l'établissement, Léa va avoir pour la première fois la responsabilité de professeur principal d'une classe de 6e. Une mission nouvelle, mais pour faire face aux différentes difficultés, elle pourra s'appuyer sur ses collègues. Il y en a toujours des appréhensions. Il y a toujours des questions qui se posent, évidemment, notamment comment gérer des situations de conflit ou parfois des familles avec qui le dialogue est compliqué. On n'est pas toujours... On n'a pas toujours les armes suffisantes face à ça, mais on est entouré, que ce soit par l'administration, par les collègues, par l'assistante sociale, etc. On a toujours quelqu'un pour nous aider. Dès lundi, l'établissement accueillera dans un premier temps toutes les classes de 6e avant de commencer pour de bon cette nouvelle année scolaire le mercredi 6 septembre avec l'ensemble des cycles.